Eh bien salut à tous, c'est Kiwik, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Donc aujourd'hui les gars on se trouve pour les nouveautés de la semaine. Donc on va voir le véhicule sur le podium, les activités, les véhicules en induction. Bon comme d'habitude vous connaissez. Donc cette semaine on a le Free Crawler, ok. Ouais bon, le cube Minecraft quoi. Pourquoi pas, ouais bah sympa, en plus je possède pas donc je vais essayer de le gagner en espérant le gagner. Non ouais bon c'est pas un véhicule forcément excellent mais bon c'est gratuit donc on prend. Donc c'est parti, je vais tourner la roue. Hop. Alors ouais non c'est peut-être un peu mal parti. Ouais non c'est mort. Aïe aïe aïe. Ah mais j'ai Mystery, ouais bah c'est pas mal. Mystery c'est vraiment pas mal. Et je gagne 10 000 $. Bon j'en ai pas besoin mais je prends. Donc on perd pas de temps, on va voir les véhicules qui sont en induction. Bah dans Legendary, donc on commence. Donc on voit directement qu'on a la jugular. Mais ça c'est uniquement pour ceux qui possèdent Twitch Prime. J'en reviendrai plus tard dans la vidéo. Ensuite on a la Stafford aussi. C'est pareil, c'est uniquement si vous possédez Twitch Prime. Et on a la Jester classique. Bon très très bon véhicule. Clairement très très bon véhicule. Donc si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Excellent véhicule. Ensuite est-ce qu'on a un autre véhicule? On a la Pifter Néon. Ok, bon c'est un véhicule électrique je crois il me semble, donc c'est pas, si vous aimez les véhicules électriques pourquoi pas, mais sinon c'est pas forcément ouf. On a la Paria en réduction aussi, donc excellent véhicule, vraiment un très bon véhicule. Donc si vous pouvez l'acheter clairement achetez le, même 852 000 clairement ça les vaut. Donc clairement si vous pouvez l'acheter achetez le, c'est vraiment le moment de bah, pour l'acheter. Donc ouais Paria excellent véhicule. On a aussi la Lynx. Je sais pas vraiment ce qu'il donne ce véhicule, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Donc ouais, bon, bah Lynx on prend, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a un autre véhicule en réduction ou pas? Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres véhicules en réduction. Ah si, on a la Entity. Entity, premier véhicule de GTA, incroyable. Donc ouais, bon, si vous voulez vous faire un petit kiff, achetez l'Entity, sinon c'est pas forcément un véhicule forcément excellent non plus. Mais ouais, en Titi, ouais, ça fait plaisir. Un ancien véhicule en réduction, ça fait plaisir. Donc on perd pas de temps, on va voir les véhicules qui sont dans Sunzern aussi. Donc on a aussi la Veto, mais ça c'est uniquement, encore une fois, pour ceux qui possèdent Twitch Prime. Donc si vous ne possédez pas Twitch Prime, ça sert à rien. Ensuite, donc, on va voir les autres véhicules qui sont en réduction. Donc on a le bus de festival. Aïe aïe aïe, ouais non clairement c'est pas un achat à faire même à 831 000, sauf si vous voulez faire un kiff, si vous êtes riche à la limite oui, mais bon si vous êtes pas, si vous avez pas de sous quoi, clairement c'est pas un véhicule à acheter, il est nul, il avance à rien, enfin c'est vraiment un véhicule vraiment nul. Donc cette semaine on a aussi le dirigeable qui est en induction. Donc si vous pouvez faire l'émission pour l'avoir à 500 000, faites-le. Sinon bah 700 000 c'est bon, ça allez vous aussi. Mais bon autant avoir plus de réduction que bah un peu moins de réduction. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc ouais dirigeable très sympa. Bon après c'est juste pour se taper des barres. Sinon c'est pas forcément un véhicule très intéressant. Mais bon voilà ça fait plaisir on prend. Donc en ce qui concerne les bâtiments en réduction, donc on va voir, donc c'est les boîtes de nuit. Donc boîtes de nuit donc logiquement avec ces modifications. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir les boîtes de nuit. Donc ouais voilà avec ces modifications. Donc clairement ça fait plaisir pour faire les guerres commerciales etc. C'est bon on prend, ça fait, on crache pas dessus, ça fait plaisir. Donc voilà les boîtes de nuit en réduction. Donc en ce qui concerne les activités, donc on se retrouve dans le Terror Byte. Donc bah pour cette semaine on a l'émission service client qui sont en doublé. Donc vous allez là et les missions qui sont ici donc qui sont en doublé. Donc clairement ça fait plaisir, on prend. Et puis bon ça fait utiliser le Terror Byte pour ceux qui ne l'utilisent jamais. Donc clairement on crache pas dessus. Donc cette semaine on a la popularité de la boîte de nuit et le coffre fort bah, quand vous gagnez de l'argent grâce à la boîte de nuit qui est en triplé. Donc bon si vous aimez faire l'émission de boîte de nuit pourquoi pas, après pour l'argent aussi ça fait plaisir. Donc tâchez à faire vos popularités pour gagner de l'argent. Donc clairement on prend en triplé et tout, je crois que c'est 70 000 au grand maximum. Donc bon en triplé ça va vite, donc clairement on peut se faire de l'argent très rapidement et facilement. Et bien sûr cette semaine on a encore les guerres motorisées qui sont en triplé. Donc bon bah c'est, j'ai rien d'autre à dire à part qu'ils sont en triplé jusqu'à bah, jusqu'à fin mai. Donc on verra si au mois de juin on aura une autre activité qui sera pour le mois ou pas du tout. Bon voilà c'est guerre motorisée, voilà rien d'autre à dire, voilà ça fait plaisir. Donc en ce qui concerne Twitch Prime, donc si vous avez associé votre compte Social Club compte Twitch Prime, donc vous avez la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire toujours le sonar pour le sous-marin qui est gratuit.
bah, la Jugular, la Stafford et le Veto moderne que je vous ai montré un petit peu précédemment, rapidement dans la vidéo. Mais voilà, bon, on verra si la semaine prochaine ça change. Mais en tout cas, c'est des très bons véhicules, surtout la Jugular, ça fait plaisir. Donc bon voilà, on verra si on a d'autres nouveautés en termes Twitch Prime la semaine prochaine. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, cette semaine on est, bon ça va, c'est plutôt sympa cette semaine, thème boîte de nuit, ça fait plaisir. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'activer la petite cloche, ça fait plaisir et ça aide énormément. Donc on se retrouve la semaine prochaine et moi je vous dis bye les gars.